Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui en ce 24 décembre, jour du réveillon de Noël, on attaque la suite de la fin de Zoé, le tout dernier DLC Resident Evil 7 sorti à ce jour et tout dernier tout court parce qu'après il n'y en aura plus. Nous étions dans les marécages, on avait trouvé Zoé et injecté une première dose mais ça n'a malheureusement pas suffi, on s'était échappé parce qu'il y avait une sorte de boss un peu qui avait mis la maison en feu, c'était assez terrible. Allez, on est donc parti pour la suite de notre aventure, on avait donc dû fuir la maison qui était en feu et on était tombé dans une petite cabane annexe où on a déposé Zoé sur le canapé et puis on a un nouveau bateau à disposition. Oubliez pas qu'il y avait un crocodile par ici et me semble-t-il qu'il est... Il était là, donc on va éviter si possible de marcher dedans, ça risque d'être assez terrible. Quoi? On peut tuer un ennemi par surprise? Ok. Intéressant. R2, exécution. Ok, j'ai par ici. C'était terrible. C'était terrible, je sais pas pourquoi il s'est relevé alors que j'avais appuyé sur la touche. Attends, c'est pas vrai, monsieur. Monsieur. C'est un boxeur lui. Lui c'était un boxeur, c'est sûr. C'est bon monsieur, vous allez bien? Enfin vous allez bien, non, vous êtes KO. Ok, on peut continuer, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur R2. Ça a pas été pris en compte, qu'à cela ne tienne, comme on dit dans le milieu. Ok, ici on a quelque chose. C'est la première fois que dans ce Resident Evil 7, me semble-t-il, d'après mes humbles souvenirs, on puisse se la jouer furtif, donc c'est plutôt cool. On va faire attention. Normalement il peut pas nous voir ici. Ok, on va voir ce que... Ouais. Ok. Crève enflure. Ok, je vois. Ça part sur un éclatage de tête intense. Ça fait plaisir. Il y aura peut-être des documents qui vont aussi nous apprendre un petit peu plus sur ce virus. D'accord, j'ai encore ramassé un verre. Et lui, comment? Ouais. Oh, des petits coups dans la colonne vertébrale. Eh, écrasage de tête. Et les gars, joyeux Noël. C'est ça l'esprit de Noël avant tout. C'est ça. Passez un bon réveillon, les gars. Passez un bon réveillon sur ce dégueulis de virus et de haine. Oh, c'est terrible. Oh, j'ai une lance. Incroyable. Ça sert à quoi? Ok. Oh la vache! Mec, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Je lui ai fait une nouvelle tête au bordel. Je peux pas la récupérer, c'est bien dommage. Elle a totalement disparu. Je lui ai fait une nouvelle tête. Ok, on a quoi là? Hop. Ok, on peut pas ouvrir. On peut casser des bouches, mais on ne peut pas ouvrir deux fenêtres à l'aide de mes poings. On est parti, les gars, pour la suite. Allez. Vas-y, régale-moi. Oh, c'est une petite laverie ici, ce sont pas des petites laveries dans les maracas. Ah non, mais c'est un laboratoire. Mais ils se sont installés partout, ils sont terribles. C'est le laboratoire de Néo Umbrella ou pas? Attends, on a quelque chose ici. Bougez pas, c'est terrible. Un fluide, il est où? Il est là. Ok, on est parti. Les ordres suivants doivent être appliqués immédiatement. Le Mutami 7 s'est répandu dans le marais et il continuera à muter tant qu'il rencontrera de nouveaux organismes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exposer le stock de médicaments. S'il venait à subir une mutation, il deviendrait inutile. Transférez toute la station de synthèse des agents anti-infectieux vers le bateau à vapeur. Bateau donc, à vapeur? Il y a un bateau à vapeur. Les gars, vous ne facilitez pas la tâche. Oh là là, je le kiffe hein. Les gars, moi, il y en a qui n'aiment pas trop Joe Baker. Les gars, je vous le dis honnêtement, je le kiffe. Faut savoir que Jack Baker, il était limite attachant. Vous voyez ce que je veux dire? C'était au début très compliqué de le voir comme gentil. Mais il était... Bah, t'as mieux de rester où tu es. Waouh! Bam! Ok. Waouh, putain, il fait des high kicks et tout. Oh putain, mais c'est un... Allez. Oh, il était compliqué, hein. La dernière fois que tu t'en prends à nous. Oh bah oui, là c'est clair, il est mort. Ouais, ça met du temps, là. T'imagines, on en apprend deux ou trois comme ça, c'est assez terrible.
C'est assez terrible. On a un système de... Ok, il y a un système de soins. Sauf qu'on n'a pas de jauge, étant donné qu'on n'a pas... Ah, oh, l'intention de mourir à ce que je vois. Oh putain, il m'a fait tellement peur. Hey, Jackie Chan, tu vas te calmer direct. Voilà. Merde. La vache. Putain les gars, hein. Il m'a fait tellement peur. Je disais en plus, au moment où je parlais de heal, j'étais là en mode, ouais, les soins, ça marche comment? Parce qu'on n'a pas d'ATH et tout. Putain, c'est terrible, hein. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en faire un. On est pas mal. D'ailleurs, est-ce que par hasard, je vais pas mettre les soins dans la flèche de droite? Je pense bien. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est tout? Si je déplace ça... Je sais pas trop à quoi ça sert, ça, pour le moment. Ah, si, ça augmente ma force. Très bien. Une poupée, d'accord. Chaque poupée de votre inventaire augmente votre force d'attaque de 1 putain de pourcent. 1%. Pas grand-chose, les gars. Ok, on est parti. Je vous avoue qu'il m'a fait un petit peu flipper. Encore une fois, joyeux Noël. Gros, tu lâches jamais en fait. Ok. Il veut pas lâcher. Il s'est relevé, hein. Satané. Oh putain, mais les verres, ils sont énormes. Ils sont dégueulasses. Oh, il veut pas lâcher le morceau. Ok, on va pouvoir save. On a quoi ici? Bon, la caisse, elle sert pas à grand chose, hein. Les gars, faut être américain pour avoir un inventaire complet dans un DLC. On est parti, on peut save. Et bien évidemment, on continue. On va pas se laisser là, les gars. On est qu'à 8 minutes de gameplay après tout. Ok, j'ai peut-être tout fouillé. Oh, je l'ai pas vu. Poupée boxeur. On a augmenté de 3% notre force physique. C'est plutôt cool, les gars. On va pas se mentir. Il y a une suite ici. Et il y a une suite aussi là-haut. D'accord. On va aller derrière le cabanon. Je pense que derrière le cabanon... Ah bah non, bah c'est verrouillé de l'autre côté. Très bien, très bien. J'allais dire, je pense que derrière le cabanon, c'était la suite. Mais effectivement, étant donné que c'est verrouillé de l'autre côté... Là, je vois pas comment je peux faire avec toi. D'accord, ok, je vois maintenant. Je vois clairement... Allez, ça dégage. Encore? Vous êtes mort, monsieur? Ok, pas de soucis, on se la joue Tarzan, les gars. Ok. Oh, je t'avais pas vu, toi. Oh, je t'avais pas vu, toi. Très bien. C'est stressant. J'aurais peut-être pas dû utiliser mes deux lances, finalement. Ok. Heureusement qu'un coup de lance suffit. Je peux me battre à main nue avec des crocodiles? C'est compliqué, les gars. Faut savoir que les crocodiles datent de l'époque des dinosaures, finalement. Et ça, on n'en parle pas assez. Non, mais les gars... Ah! Oh, putain de merde. Je suis totalement mort. Je suis totalement mort. Alors, comment on fait 5 crocodiles de lance? Comment on fait? Waouh, Zoé, apparaît pas comme ça. Très bien, on est reparti, les amis. On est reparti. C'est un petit peu terrible, cette histoire. J'aurais peut-être dû garder ma lance tout à l'heure. Bah ouais, mais tu l'as à distance, j'ai deux lances, quoi. Putain, merde. Tiens, dans l'œil. Tu mérites que ça. Y'a pas, y'a rien là, y'a rien. Non. Ok. Ah. Ok. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Très très bien. C'était terrible. Lui il est mort. Je vais pouvoir me débarrasser d'un autre un petit peu plus loin. Y a pas... Oh putain, on a quelque chose ici. Oh, c'est incroyable. Ok. Les gars, on va utiliser un soin. Parce que je sais pas du tout niveau santé où ça en est. On n'a pas d'ATH. Nous on va lui mettre du mérite, brisage de nuque. Ça part très vite. Ça part très vite. Tu m'as vu? Il m'a totalement vu. Ok, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on exécute. Et s'il est pas mort, on le refait. Ok, c'est bon, il est totalement mort. Pas évident, les gars. Oh,
c'est quoi ça? C'est un crocodile totalement mort. Très bien. Ok, on a des lances, j'ai réussi à économiser une ou deux lances. Il faut savoir que si le crocodile, vous l'avez vu, foire son attaque, il retombe dans l'eau et il ne ressort pas. C'est plutôt bon à savoir. Et voilà, j'étais en train de vous dire quoi? Oui, les crocodiles, ça date de l'époque des dinosaures. Voilà, si jamais vous ne savez pas d'ailleurs, c'est limite considéré comme un dinosaure le bordel. Et puis, c'était la petite info du jour, c'est normal les gars, avant Noël. Toujours savoir se régaler. Ouais, non. Obligé de le tuer celui-ci. J'ai essayé d'attendre. Ok. On a utilisé assez de lances. C'est dommage qu'on puisse pas les récupérer par contre. Parce que là c'est un sacré bordel. C'est bon, on a réussi à passer, aucun problème. Je sais pas ce qu'on vient chercher ici. On a quelque chose là-haut. On va aller le prendre de ce pas. Donc il y a le sort de boss qui nous suit hein. Sort de Némésis. Ok. On a encore des choses là-haut. Les gars, bougez pas. On va avant tout aller dans le petit cabanon. Ça doit être un centre de sauvegarde, je pense, en tout cas j'espère. Histoire... Ah mais non! Mais bien sûr, c'est pour déverrouiller. Mais c'est clair! Allez, on va save. Oh putain, fallait le re-ramasser. Heureusement! Allez, on va save les gars et puis on continue. On va aller dans le petit entrepôt, je sais même pas. Ah, on est venu chercher une nouvelle dose. Évidemment. Tellement logique. Donc je suppose qu'il va y avoir une dose là-haut. Et il va falloir l'administrer à Zoé. Alors il faut combien de doses finalement? Parce qu'oubliez pas que c'est des doses à moitié utilisées, c'est ça le problème. Je sais pas pourquoi ils appuient jamais jusqu'au bout de la seringue. Peut-être qu'ils se font arracher avant. Vas-y, fais-moi rêver Joe. Ok. Oh, il y a des embrouilles. Hein. Oh, va y avoir des embrouilles par ici. J'ai de la ferraille. Je ne sais pas pourquoi faire. Tonneau! Quand on dirait les tonneaux à Resident Evil 4. Oh là là, tous ces souvenirs. Allez voir le Let's Play sur Resident Evil 4, il était franchement cool. Et vous étiez très nombreux à l'avoir kiffé. Je pensais pas. Ça me donne carrément envie de faire Resident Evil 1. Dites-moi d'ailleurs, vous savez quoi, c'est le réveillon, j'ai envie qu'on discute ensemble en commentaire. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous voulez du Resident Evil 1 refait sur PS4. Enfin, il a été refait à la base sur GameCube. Mais dispo sur PS4, donc en HD, tout ça, tout ce qu'il faut. Dites-moi si vous voulez du RE1 ou pourquoi pas du Resident Evil 0 et après on passe sur RE1. Bref, dites-le moi, vous savez où c'est en commentaire, les gars. Par contre, attention, hein, ils étaient assez chauds ces Resident Evil. Ok, on est parti, on n'a rien à faire par ici. Rien à faire. Qu'est-ce qu'on a là? Une poupée? Bah, qu'est-ce que tu fous là? Allez hop, 4% les gars de force supplémentaires. Physique, c'est plutôt cool. Je peux peut-être économiser un coup grâce à cela. Ok, j'essaye de tout fouiller. On est à l'autre bout, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Une branche d'arbre. Donc je suppose que ferraille plus branche. Ah. Soit une bombe artisanale, soit une lance. Aïe, 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 aïe. On verra plus tard. D'accord, j'ai des choix là. J'ai des choix. Pardon. Plaît-il? Voilà. Monsieur, vous êtes plus commun. Ok. 1, 2, 3 et 4. Ok, il est totalement mort. Il est totalement mort, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on lui a mis, les gars. J'étais à deux doigts de sortir la lance, par peur. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'aime bien, moi. Ça fait vraiment le côté un petit peu beauf, solide, guerrier. Ouais. Oh putain, ça fait flipper leur ambiance là. C'est cosy ça. Ok. C'est fait. On a économisé pas mal de trucs et il y a une branche par ici. Vous savez quoi? Ça ne coûte pas plus cher de bien manger comme on dit. Donc voilà ce qu'on va faire. Ok, on a pas besoin, ça on peut casser, ça on peut pas casser. On va se créer une bombe artisanale. Hop, c'est cadeau, ça mange pas de pain. Et on va se créer une lance. Voilà, c'est cadeau, ça mange pas de pain. Deux lances, une bombe artisanale. Ça me plaît bien, je sais pas pour vous. Allez, t'es mon homme. Oh putain. Okay.
Ok, il est mort. Il a réussi à m'infliger pas mal de dégâts, il m'a fait mal. D'ailleurs, je saigne. Ok, encore de la ferraille, c'est plutôt cool. Nice. Très bien, on va fouiller derrière. Ça me paraît assez complet. Il y a beaucoup de choses à faire par là. Tout ça pour Zoé, putain. Bon, elle a été sympa quand même. Elle a été sympa. Ça va être compliqué cette histoire. On peut sauter? On peut sauter? Ouais, on peut y aller. Les gars, je saute, je l'arrache. Un brisage de nuque. Et j'attaque l'autre, surprise. Surprise! Allez! On les a quasi tous fait en une attaque furtive, ça c'est plutôt cool. Oh, c'est gigantesque, oh là là. Bon, on va finir cet étage, les gars, parce que j'avais autre chose à visiter juste là-haut. Parce que là, c'est terrible. C'est grand, hein. C'est très, très grand. Oh là là. Putain. Il y avait là-bas aussi. Oh, c'est terrible. On a un ordinateur. Sûrement quelque chose activé. On a ça aussi. Donc je suppose qu'il faut faire totalement le tour. On va le faire de ce pas. Comme ça je pourrais l'avoir par derrière. Il va pas se tourner ce con, il en est pas capable. Il peut pas me faire ça à moi. Ok. Allez, brisage de colonne vertébrale, éclatage de tête. Joyeux Noël aussi. Ok, on est parti, on continue. Qu'est-ce que je prends, mon métier? Une branche d'arbre. Je prends. Très bien, bah ça c'est fait. On a vidé tout ce qu'on avait besoin de vider. Oh, encore une lance. On sait jamais, les gars, on sait jamais. Ici, il faut tout fouiller, hein. Si vous trouvez une petite poupée ou autre, c'est toujours clairement bon à prendre. Ok, on peut continuer. Pas besoin de me soigner. Je pense pas que je suis dans un sale état. Par contre, c'est vrai que le mec qui a des bras un peu chelous, là, il inflige beaucoup plus de dégâts que eux là, ceux qui étaient sur les marches. On va fouiller l'étage. Ok. Encore de la ferraille. On a pas mal de ferraille, c'est plutôt cool. Peut-être là on peut pas, y a rien à faire là-dedans. Ok, on va là où il y avait l'ordinateur. Voilà. Waouh! Voilà. Je me suis protégé tel un. Oh là là, je suis pro boxing. Pro boxeur simulator 2017. Je me suis tellement bien. Mec, je me suis tellement bien protégé, les gars. Je sais même pas ce que j'ai ramassé, je crois. Centipède. Pas sûr. Oh putain, merde, j'ai été con, j'ai couru. Pourquoi j'ai couru, moi? Ok, c'est pas grave. On fonce. Et ça dégage. Ensuite, ils sont à terre, on les écrase. Une jambe en moins. Il est toujours pas mort. S'il est totalement mort. Il est totalement mort. Ok, ils étaient trois, pas trop un souci. Oh, qu'est-ce que c'est? Une poupée champion, elle est énorme. Elle est trop stylée, gars. Ok, chaque poupée dans votre inventaire, pardon, augmente votre force d'attaque de 5 putains de pourcents. C'est énorme. Donc on est presque à 10% de force d'attaque, donc le physique. Augmenter, c'est plutôt cool. On a un truc en bas, on a un truc là. Oh là là, les gars. Vous êtes d'un compliqué. Ok. On va éviter d'activer quoi que ce soit. Hein. Vous savez que ça se passe jamais bien. Allez, casse-toi. Voilà. Ok. Donc, clairement... Je pense que ça va actionner quelque chose qui va nous foutre dans une merde infâme. Ensuite, il va falloir qu'on court, à mon avis, par ici, pour peut-être tomber là-dedans. À moins que ça soit un raccourci. Ça doit être un raccourci. Je peux taper. Oh putain. Oh, trop bien. Oh là 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 là, 15%. Mec, c'est énorme. C'est énorme. Ok. Augmenter de 15% avec des branches d'arbre et tout. Mais alors je vais mettre de ces patates, les mecs.
Ah, il y avait l'autre issue ici, très bien. Très bien, incroyable. Incroyable mais vrai, regardez comme ce joueur augmente sa force physique grâce à des poupées vaudou. On va save parce que ça sent la merde. Je vais pas vous cacher que ça va être compliqué ce qu'il va se passer, mais j'ai confiance, on est parti. Donc ça, ça me fait un remède, je pense. Quoi ? Oh, c'est pas vrai ! Et voilà. Enfin. Il s'est pas dit qu'il y avait peut-être juste à attendre, hein. Ah ! Oh là là, mais c'est pas vrai ! Ok, on a totalement brisé le sol. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai fiche comme une putain d'idée. Ah! Ok. Tu me cherches? Tu vas me trouver, gros tas de gerbes. Ok. Ah! Ok, ok, on va tout ramasser. Non! Aïe! Ok, on va soigner. Calme-toi, calme-toi. On va utiliser ça. Ok, viens, 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 mon pote, viens. J'ai juré, viens. Ça va pas se passer comme ça. Voilà. Non! Non, non, non! Oh, il va m'éclater la gueule! Aïe! Ok. Bon, les gars, c'est compliqué. Aïe! 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 C'est terrible! Aïe! Oh là là, mais il est trop balèze, lui! Calme-toi, cow-boy! Ok. Oh là là! C'est terrible! Ok, une poupée boxeur encore. C'est terrible. Ok, prise de catch! Prise de catch! Oh là là, mais c'est énorme! Ultra stylé, Joe Baker! Voilà mon pote, grisage. Waouh! Bien joué à toi. Waouh! Allez, ça dégage. Attends. Ah non! Mais ce combat, mon dieu, ce combat! Ok, on l'a refait. Là, la tête de ma mère, je suis ton homme, mon pote. Je suis ton homme! Ok, c'est R1, les soins rapides, je l'oublie tout le temps. C'est terrible, je suis désolé, les gars. Et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1. Voilà. Ok, c'est pas mal. Oh putain, GG. Ok. Ok, 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 ok. On fait ma respiration. C'est un sacré combat de boxe qu'on a là. Il a parlé, je crois. Il a parlé, je sais pas ce qu'il a dit. Ok. C'est pas mal ça. Tu vas voir. C'est pas mal ça, une nouvelle prise de catch. Elle, on la connaît, c'est un classique. Et c'est ma préférée. C'est pas mal. Qu'est-ce qui va pas? Ok.
Pas mal ça. Ça, c'est des beaux coups que tu donnes là. C'est des beaux coups ça. Ok, on se soigne. Ok, vas-y, viens. Ok. C'est pour... Oh la vache. Oh, GG. Hop, laisse la carte. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Faut être solide. Faut être solide sur les appuis. Toujours. Se protéger. Enfoiré. Allez, c'est pas mal ça. Je suis une machine. Oh la vache, non, il va pas lui éclater la gueule. Oh là là, joyeux Noël. Alors, c'est qui le patron? Oh la vache. Il lui a éclaté la gueule. J'arrive, Zoé. Bah ouais, on touche pas à la famille, les gars. On touche pas à la famille. Ok, très très bien. On va prendre les soins. Un petit récap, les mecs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Bestiole peut-être combiné avec du fluide. Ok. Très bien. Très très bien. Pas grand-chose à faire. Peut-être une nouvelle... Hop, voilà, j'ai regardé une branche. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, c'est pas mal les mecs. On peut continuer. Encore un soin par ici. Elle est partie où sa tête? Elle est partie dans l'eau, très bien. On peut y aller messieurs. On peut y aller, j'ai tout récupéré. On fait le tour du proprio. Heureusement, je suis à... là je suis à 15% de force supplémentaire. C'est plutôt cool, on va pas se mentir. Et on peut reprendre notre trajet direction les marécages. Oh, on n'est jamais passé par ici. En tout cas... J'en ai pas le souvenir. Très bien, poupée boxeur, c'est très très bon ça. C'est très très bon. On peut continuer, ça augmente ma force physique. Je me sens clairement plus puissant. Ok. C'est déverrouillé. Oh, Zoé. Attends, on va save. On va save, on sait jamais ce qui peut se passer. Bon. Le boss, c'était pas évident, hein, les gars, hein, quand même. Hein. J'ai retiré en tout, je m'y suis pris 3 fois. J'ai retiré juste la 2e fois. La première mort, vous l'avez vu. J'ai retiré la 2e mort et la 3e fois, on a vaincu pour pas que ça soit trop long et trop lourd à regarder toujours le même combat. C'est parti, Zoé. Zoé, j'ai ton remède. Tu vas t'en sortir. Non, Zoé. Merde. Ok, on va à sa poursuite. Putain, mais... C'est un autre ou c'est le même? C'est un autre, c'est terrible! Ouais! Pire race ever, ça! Où sont-ils passés? Hé! Hey! Laisse ma famille tranquille, du con! Pas que tu vas t'en tirer. Ok, il m'a conduit à l'intérieur des portes, ou peut-être à l'extérieur, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, on s'enfonce un peu plus dans les marécages, j'ai bien l'impression. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, c'était bien trop beau, les gars. On a le remède, mais évidemment, Zoé a été kidnappée. C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol, mais bon, je compte bien évidemment sur Joe Baker pour pas laisser son neveu partir comme ça. Hop.
Oh, des verres dégueulasses, ils sont dégueulasses ces putains de verres. On va s'arrêter là, je pense, les gars. On attend au prochain point de sauvegarde. Et puis on s'abandonne. Langouste ? Très bien, j'adore. Pour un réveillon de Noël, il n'y a rien de mieux, les gars. On verra ce qu'on fera avec les langoustes un petit peu plus tard. Ok. Eh ben, ça tombe bien. On a notre point de sauvegarde. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Bien évidemment, passez un très bon réveillon. Et puis, à très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.